Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Continuons avec le téléchargement d'éléments libres de droit. Après le téléchargement d'images et de vidéos, consacrons-nous maintenant au téléchargement de musique. Pour cela, rendez-vous sur votre navigateur internet. J'utilise comme à mon habitude Chrome. Le premier site que nous allons voir est auboutdufil.com. Donc, dans votre champ de recherche, écrivez au bout du fil et validez avec la touche entrée de votre clavier. Je vérifie l'adresse URL. C'est donc le bon site. Je peux cliquer sur ce lien. Vous êtes donc arrivé sur le site auboutdufil.com. Vous avez sur la colonne de gauche tous les styles de musique que vous pouvez trouver. Ou bien vous pouvez faire une recherche par rapport à l'usage que vous souhaitez en faire. Ou bien par rapport à l'humeur. Je retourne sur le genre. Je recherche une musique d'ambiance. Je vais donc cliquer sur le thème ambiant. Vous trouvez toutes les musiques qui vous sont proposées par rapport à ce thème. Pour écouter cette musique, vous avez à ce niveau-là une bande de lecture. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton lecture pour pouvoir écouter le morceau. Le morceau me convient. Vous avez juste en dessous les informations concernant son utilisation. Donc j'ai le droit de copier et de publier cette musique. Je peux la modifier, la transformer et elle est libre pour un usage commercial. Si je clique sur le bouton télécharger, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, vous avez plus d'informations, notamment le poids de ce fichier de musique, les informations concernant la licence, et si vous devez créditer la musique, vous devez copier-coller les informations qui sont là. Si je clique sur le bouton télécharger, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous avez la musique qui se lance de nouveau. Pour pouvoir la télécharger, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points qui se trouvent juste ici, puis de cliquer sur le bouton télécharger. Une fois le téléchargement fait, vous pouvez cliquer sur la flèche retour arrière qui se situe en haut à gauche de votre navigateur. Téléchargeons une nouvelle musique. Pour cela, appuyez sur la flèche lecture pour écouter l'extrait. Ce morceau me convient. Je vérifie la licence. Et je n'ai pas besoin de cliquer sur le bouton télécharger. Si vous voulez charger plusieurs extraits de musique, pour gagner du temps, le plus simple est de cliquer sur les trois boutons au bout de la liste de lecture. Si vous cliquez dessus, vous trouvez directement le bouton télécharger. Il vous suffit de cliquer dessus pour charger votre musique. Mes morceaux de musique sont téléchargés. Je vais donc pouvoir aller les ranger dans le bon dossier pour les retrouver facilement. Pour cela, je vais sur l'explorateur de fichiers, je clique dessus, alors il se trouve dans la barre des tâches en bas de votre écran.
Moi, ils se sont enregistrés dans le dossier téléchargement, donc je double-clique dessus. Et je retrouve bien mes deux fichiers de musique. Je vais donc cliquer sur un et le glisser sur musique. Et je recommence l'opération avec le second. Nous en avons donc terminé avec le site auboutdufil.com. Dans le prochain tuto vidéo, nous verrons un autre service équivalent. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. On continue à rester chez soi. Et je vous dis à très bientôt.